Aujourd'hui, la team qui tourne est sur Life Together. Et on va regarder le film sur toutes mes premières fois. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner à mon Insta, Miss Darkito. Bon, ben on attend quoi les amis? On va réaliser ça tout de suite. Allez hop là, je suis installée et c'est parti. Aujourd'hui, ça va être une journée incroyable. Je vous rappelle que Darkito, il a acheté un yacht sans me prévenir. Et du coup, bah, j'ai dit qu'avant qu'il le revende, je préfère qu'on fasse une petite journée en couple dessus. Et j'espère que ça va être super bien. En plus de ça, j'ai emmené Cracotte avec moi. Donc ça veut dire qu'on va passer une journée en famille. Bonjour. Moi, je parlais sur le yacht, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai pris plein de stories et plein de snaps. Mais j'aimerais te remonter dessus. On fait une journée ensemble. Et puis en plus, c'est grâce à moi que vous avez le yacht. Non, on comptait faire une journée en famille. Alors, désolé, mais nous, on va démarrer. Allez, Darkito, c'est toi qui conduis. Enfin, qui navigue. Avec plaisir. Ça va être trop, trop bien. Allez, c'est parti. Et la navigation commence. Oh là là, c'est vraiment trop de la bombe. J'adore. Ouh là là, faut que je fasse attention. C'est vraiment trop compliqué à conduire. Dis-moi, il y a quelqu'un dans le bateau? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est bizarre. Ma chérie, tu peux aller voir? Je crois qu'il y a quelqu'un dans le bateau. Non, je suis sûre que c'est Cracotte qui fait un peu de bruit. Tu veux qu'il y ait qui dans le bateau? Attends, je vais regarder. Alors, mais je vous ai dit de sortir d'ici. On est en train de faire une journée en couple et vous, vous êtes en train de la gâcher. Vous sortez du bateau, vous sautez dans l'océan et je veux plus jamais vous voir. Oh, d'accord, d'accord. Mais si je meurs, c'est de votre faute, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh non. Notre jet ski, il est à nous, il était... C'était l'annexe du bateau. Oh non, elle nous l'a volé. Bon bah écoutez les amis, c'est pas très grave. On va perdre encore plein de Robux. Bon, Darkito, en route et accélère, histoire qu'on la laisse bien derrière nous. Ouais, c'est n'importe quoi cette fille, franchement, elle a fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, nous on est en bateau, en famille, et on va s'éclater. On va aller au large, vraiment au large, au large, au large. Oh, regarde comme c'est trop bien, Berry Avenue. Berry Avenue. Life Together, j'adore. Oh regarde, elle est là-bas. Voilà, elle fait quoi? Mais elle fait quoi sur son jet ski? C'est trop bizarre les amis. Franchement, je comprends pas ce qu'elle fait. En tout cas, le bateau, j'adore. On regarde, on va bientôt voir le coucher de soleil, t'imagines? Le coucher de soleil sur Life Together, je l'ai jamais vu. T'as déjà vu toi le coucher de soleil? On devrait se mettre en amoureux, je sais pas moi. On va se mettre derrière la montagne là-bas. Voilà, par contre, il va de plus en plus vite le bateau. Attends, attends, mais en parlant de Berry Avenue, tu penses qu'ils vont faire comment ça s'appelle, Bayside? Ils vont faire un snap aussi? Ouais, je crois que c'est la mode. Ça arriverait même sur Brookhaven pour la prochaine mise à jour, d'après ce que j'ai entendu. Ce serait n'importe quoi, t'imagines, Brookhaven avec Snapchat ou Instagram et tout? Ah ouais, avec Insta, ce serait juste dingue. Bon, moi, franchement, je pense que ça me fait presque hésiter à faire une vidéo sur Bayside sur Snap. Les amis, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Bayside version Snap. Ce serait trop drôle. En tout cas, j'ai hâte de voir l'Insta de sortie. Parce que moi, je sais pas si vous êtes allé sur mon Insta, mais je vous partage tout mon quotidien. Enfin, de plus en plus. Bon, allez, Cracotte, on va regarder un petit peu le coucher de soleil. Oh là, c'est tellement romantique. Eh, dis, papa, il conduit bien, je trouve, hein. Voilà, regarde le coucher de soleil. Attends, je viens avec toi, on va se mettre en amoureux. Et tu sais quoi? Après, on ira faire un bain de minuit. Tu sais ce que c'est, un bain de minuit ou pas? Oh, c'est magnifique, le coucher de soleil. Oh oui, t'as raison, c'est vraiment, vraiment trop beau. Il descend tellement vite, hein, Cracotte? T'aimes ça, toi aussi, hein? Oh là là, il est vraiment trop mignon. Bon, franchement, moi, j'adore ici. J'adore Life Together. Et dis-moi, Darkito, j'ai une petite question. Est-ce que t'aimerais qu'on emménage ensemble ici? Bah, franchement, j'y pensais. Tu sais, j'allais te le dire. Je me suis dit que ce serait une super bonne idée qu'on habite ensemble, qu'on fasse plein de choses. Pourquoi pas même des bébés ou des trucs comme ça. C'est quoi ce petit point-là qui arrive à une vitesse de fou, là? C'est quoi, ça? Tu l'as vu? Oh non, je suis sûre que c'est un requin. Je suis sûre que c'est un requin. Darkito, il y a des requins, non, ici? C'est quoi? Oh ouais, ça ressemble vraiment à un requin. Oh non, les amis, il est tellement beau le coucher de soleil qu'il est en train de me le gâcher. Hé, hey, stop! Oh non, c'est la fille? Mais non, c'est pas la fille quand même, Darkito. S'il te plaît, va la voir, fais un truc, elle a l'air d'être super dangereuse. Oh non, elle est en train de gâcher le coucher de soleil. Hé, hey, sors d'ici, sors d'ici. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Dis-nous ce que tu nous veux. Bah moi, je suis trop jalouse des couples, j'en ai marre, ils s'embrassent tous devant moi. En plus de ça, ils font trop les beaux, alors moi j'ai décidé de gâcher tous les couples. Alors Darkito, je t'explique, tu vas venir avec moi et tu verras la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je viens de gâcher votre moment. Ah, vous allez pas pouvoir coucher de soleil à cause de moi. Oh, je suis vraiment trop diabolique. Allez, plus vite que ça, on sort du bateau, les amoureux. Oh non, elle a un pistolet. Elle a un pistolet. Je fais quoi? Oh non. J'ai une idée, j'arrive, attends.
Attention, j'ai une raquette anti-mouche. Attention, si je te la mets sur toi... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je suis bien ici, j'ai trop la flemme de bouger. Oh là là, il y a trop de bruit. Hé, hey, toi, tu viens avec moi et je vais t'emmener. Attends, d'abord, je fais un petit saut de mini. Tu me rejoins dans l'eau? Allez, allez, on s'en va super loin. Et on va laisser la fille là-bas. Je sais pas, mais je sais pas si tu trouves que c'est vrai. Moi, je trouve que je suis vraiment beaucoup plus jolie qu'elle, ça c'est certain. Allez, on va partir tous les deux et je vais t'emmener sur une île déserte. Et t'inquiète pas, tu seras pas tout seul parce que tu seras avec moi. Eh oui! Oh non, Barquito, il est parti! Qu'est-ce que je fais, les amis? Je peux pas aller nager! Non, Cracotte, laisse-la! Enfin, Cracotte, reste ici! Bon, je pense que la meilleure option, c'est que je conduise le bateau. Alors, du coup, je vais accélérer et j'espère que je réussirai à les rattraper. Oh non, Darkito, Darkito, mon amoureux, on vient à peine de se remettre ensemble que déjà tu te fais kidnapper! Non, mais j'en ai marre! Eh, arrêtez-vous! Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où je dois m'en aller! Allez, aide, allez, je sais pas nager, je sais pas nager! Bah si, Darkito, tu sais nager! Nage, fais la brasse, j'en sais rien, moi, le crawl! Allez, je vais te récupérer! Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on va le prendre, j'espère que la fille a disparu. Oh non, elle est là-bas. Darkito, monte! Monte derrière le bateau! Oh là là, c'est bon, j'arrive! Oh non, c'est n'importe quoi! Allez, accélère! Attends, je vais piloter, tu sais quoi, je vais piloter! Allez, j'espère qu'on va aller super loin et qu'elle arrêtera de nous suivre. Oh non, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, elle a voulu me kidnapper, elle avait un pistolet et tout. Elle voulait vraiment que... Elle est vraiment jalouse des couples, en fait. Mais c'est elle qui nous a vendu le yacht. Je comprends pas pourquoi elle est si jalouse des couples. C'est vraiment n'importe quoi. Oh non, le bateau, franchement, j'arrive même plus à le conduire tellement je suis stressé. Oh non, 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 non. Oh non, j'ai coincé le bateau. Ma chérie, je crois que c'est la fin de notre journée en bateau. Ben non, c'est pas le moment là, on atterrit où? Oh non, ben on est en ville ou on est sur une autre île? Darkito, tu reconnais cette plage toi? Bah oui, c'est la plage de Life Together. Oh non, on est obligé de laisser le bateau ici. Il va falloir que j'appelle un technicien, quelqu'un qui vient le... Attends, si je le pousse... Ah là là, j'arrive pas à le... Bon bah il est définitivement coincé notre bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh non, Darkito, il y a la police et la police, t'as pas le droit du tout de mettre ton bateau ici. C'est n'importe quoi. Comment on va faire pour leur échapper? Attends, je réfléchis. Viens avec moi. Allez, hop là. Oh non, je sais nager, t'inquiète pas. Je vais nager super loin. Oh non, c'est vraiment n'importe quoi. Cracotte, il faut que tu résistes. Oh non, je sais qu'elle avait un jet ski, l'autre là. On va aller la voir. Elle est juste derrière cette petite montagne. J'en suis sûr, on va récupérer le petit jet ski et comme ça on va pouvoir échapper à la police super loin. Par contre, c'est vrai qu'on a plus de yacht, on a plus de Robux, on va devenir pauvre en fait. Oh regarde, fais pas trop de bruit. Attention. Oui, c'est bon. Oh non. Oui, ah oui, c'est bon. Allez, on s'en va. Ouais, par contre, il est vraiment super long ce petit jet ski. Là, on est passé d'un super yacht à un tout petit jet ski. Je suis vraiment dégoûté, c'est vraiment n'importe quoi. Tu le veux de quelle couleur? Attends, quelle question, moi je le veux en rose. Par contre, Darkito, je pense qu'il va falloir absolument qu'on contacte un de ces jours, mais Darkito, pour pouvoir qu'il nous rende, tu sais, les Robux qu'il nous doit là. Parce qu'il m'en a emprunté et du coup, bah, on doit les récupérer et on pourra s'acheter enfin notre super maison sur Life Together. Ouais, t'as raison, je vais le mettre en rose. Allez, hop là et boum. Oh non, ça marche pas, c'est pas le mien. Et ouais, on l'a volé en fait. On l'a volé à l'autre. On peut même pas le prendre. Par contre, elle est en train de nager derrière. Elle nage super vite. Tu vois pas qu'elle nage vraiment super vite? Comment on va faire? Elle va nous rattraper s'il faut. J'ai une idée. Je vais pousser le bateau. Oh, mais regarde, ça a changé le yacht en rose. C'est n'importe quoi. Je vais pousser le yacht avec le jet ski. Et on va pouvoir récupérer notre yacht. C'est certain que ça va marcher. Fais-moi confiance. Je vais faire la meilleure technique du monde. Et comme ça, on pourra faire les fous sur notre yacht rose. Ouais, ça va être trop bien. Regarde le lever du soleil. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Allez, on va le pousser. Hop là, on va pouvoir récupérer notre yacht. Oh non. Allez. Ah non, ça marche pas. C'est bon, j'ai réussi. Oh, ça va être trop bien. Oh ouais, trop bien, on pourra faire les fouilles. En plus de ça, la police, ils vont arrêter de nous poursuivre. Oh, ils nous ont jamais trouvés en plus de ça. Bon, direction la ville. Ouais, c'est trop bien, on va pouvoir faire les fous sur notre yacht. Oh là, j'adore le yacht, je sais pas vous les abonnés, mais en tout cas, moi, j'adore. On vient, on fait les fous, on va dans la chambre. Oh là, c'est trop bien. Ouais, trop bien, j'adore ce yacht. On est un peu serré par contre à l'intérieur. Ouais, bon, moi je le trouve pas si bien que ça, ce yacht. Je pense que la meilleure solution, de toute façon, c'est de le vendre et de récupérer tous les Robux et de les donner tous aux abonnés et qu'ils aillent tous sur Insta pour pouvoir récupérer tous les Robux. Ça, c'est la meilleure solution. Alors, franchement, on va passer notre toute première nuit sur Life Together. Je me disais, où est-ce que tu veux la passer, cette première nuit? Est-ce que tu préfères la passer dans la maison
Est-ce que tu préfères la passer dans un hôtel? Est-ce que tu préfères la passer à la plage? Dis-moi ce que tu préfères, ma chérie. Les amis, y a que moi qui commence un peu à flipper avec la tête de Darkito, là. Il fait un peu peur, non? Bah, disons que je voudrais la passer en sécurité, déjà. Et pourquoi pas dans un hôtel, un superbe hôtel, ici, sur Live Together. J'y suis jamais allée, et j'aimerais trop savoir à quoi ça ressemble. Attends, je reçois un appel de Mini Darkito, mais je vais pas pouvoir lui répondre. Tu sais quoi, je vais le raccrocher. Hop là. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Réponds avec un point ». Ça a l'air vraiment urgent. Bon, oui, je vais changer de tête. Excuse-moi pour cette tête. On va passer dans un endroit romantique. Romantique. Voilà, elle est un peu mieux, cette tête-là, je pense. Bon, il répond pas. Franchement, je me demandais aussi, c'est quoi ces voisins qui mettent la musique à fond? Non, mais franchement, heureusement qu'on la passe pas ici la nuit. Franchement, regardez, c'est n'importe quoi. Ils ont décidé de faire un pique-nique juste en dessous de chez nous. Franchement, c'est n'importe quoi, ces gens. Oui, tu sais, Darkito, ce serait cool que t'arrêtes de dire franchement aussi, une bonne fois pour toutes. Et ces voisins, ils sont vraiment en train de m'énerver. Ils pourraient arrêter de mettre la musique à fond comme ça. Est-ce que ça te dirait plutôt qu'on prenne la voiture et on part directement dans notre hôtel? Enfin, si c'était ça ce que t'avais prévu. Mais j'ai reçu un snap de Mini Darkito. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire? Bah, t'es pas Mini Darkito, ça. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'être un peu... énervé. T'es sûr que ça va avec Mini Darkito? Vous êtes pris la tête par hasard? Bah, je sais pas, il a essayé de m'appeler, il m'a dit réponds avec un point, à croire que c'est urgent. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire c'est urgent, point interrogation. Voilà, j'espère qu'il va répondre ou quoi. Bon, c'est vraiment bizarre, en tout cas, je vais essayer d'aller calmer ses voisins là, regardez. Ils sont en train de faire n'importe quoi, ils font une espèce de grosse fête là, c'est... qu'est-ce qu'ils font en dessous? Bah, ils pourraient me répondre quand même, j'organise une crémaillère. Je viens d'arriver par surprise sur Live Together, je viens de m'installer, j'ai ma maison. Et j'ai décidé qu'on ferait une petite fête au milieu de nos deux maisons. Regardez comme c'est beau entre nos deux maisons. Non mais là il abuse, c'est quoi cette musique? Bon, tu sais quoi, on devrait vraiment partir d'ici. Là c'est n'importe quoi cette musique à fond, je vais préparer la voiture et tu me rejoins, c'est bon pour toi? Ouais, on fait ça, moi je vais t'attendre ici alors, quoique je suis un peu curieuse de savoir qui c'est qui fait. Je vais la regarder en cachette, il me verra pas Darkito. Eh, vous pouvez arrêter de faire du bruit s'il vous plaît, j'essaie de me concentrer là, d'être avec mon mec et là vous me dérangez. C'est qui? La personne qui répond et en plus de ça je vois personne. Oh là là, non mais c'est pas possible, et maintenant les voisins, ils sont partis et ils ont laissé la musique comme ça, non mais j'y crois pas. Bon, je vais le détendre un petit peu et je vais monter dans sa voiture. Mais Darkito, il m'appelle, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, je vais lui répondre. Bonsoir Darkito, non, Mini Darkito, pardon, ça va? Bah ouais, il me répond pas Darkito, il me répond pas. Franchement, j'aimerais trop qu'il me réponde, j'ai une grosse surprise ce soir pour vous deux. Et répondez s'il vous plaît, venez à la nouvelle fête. Mais attends, moi je peux pas, tu sais, ce soir on fait notre première nuit en couple sur Live Together avec Darkito, tu sais qu'on s'est remis ensemble il y a pas très longtemps. On a besoin d'un petit peu se retrouver et... oh, j'aurais bien voulu venir, mais Darkito, mais franchement là ça va être compliqué, tu sais. Bah tu sais quoi, rien que pour ça c'est la fête qui va venir à vous. Non, je sens que c'est une catastrophe, vous savez quoi? Bah je vais rien dire à Darkito, au moins on va vraiment aller à l'hôtel, on va vraiment profiter et il saura rien de tout ça. Ah, là, je devrais vraiment calmer ses voisins. Bon, je vais fermer la porte, hop là. Et je vais tout fermer parce que là, regardez, ils font des grosses soirées en bas, n'importe quoi. Bon, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, allez, on va prendre la voiture et direction l'hôtel de Live Together. Oh oui, j'adore, ça va être trop trop bien. Allez, c'est parti. Allez, on met la voiture et on met les turbos et on va direct à l'hôtel. Oh là là, j'adore Live Together, j'allais dire Brookhaven. D'ailleurs, t'as vu, on a un nouveau voisin, franchement. Je pensais pas que la personne allait s'installer pile à côté de chez nous. Alors qu'il y a plein de places de partout, il y a encore personne qui a pris de maison dans la ville. Et comme par hasard, pile à côté de chez nous, il y a quelqu'un qui a pris une maison. Non mais franchement, les amis, faut vraiment le faire. Je sais pas qui a eu cette idée vraiment là. Moi, j'aurais pas eu cette idée. Bon allez, c'est parti. Appartement luxueux. Et franchement, on va kiffer. Allez, viens avec moi, ma chérie. J'adore cette idée. Oh là là, un hôtel. Bonjour. Voilà, je sais en plus quel étage c'est. Non, les amis, je peux pas lui mentir. Attendez, je vais peut-être lui dire, non? Moi, j'ai compris que c'est Mini Darkito. Bon, je vais lui dire. Darkito, désolé, je voulais le garder secret, mais je voulais te dire que Mini Darkito, il a emménagé juste à côté de chez nous. Et qu'en plus de ça, il avait fait une fête, mais je me suis dit que c'était notre première nuit en couple. Du coup, bah, on peut pas y aller, quoi. Bah c'est pas grave, il la fera demain sa fête. Allez, 5e étage. Là. Oh, mais d'après l'appartement? J'espère qu'il est bien. Allez, je ferme la porte. Je vais le visiter, les amis. Bon, apparemment, ok, des baies vitrées. Oh, un gros canapé.
Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hé, mais dis-moi, Darkito, il y a un spa au moins dans cet hôtel. Il y a une piscine. Enfin, c'est cool un appartement, tu vois, mais notre maison, elle est bien plus grande que ça. Bon, il y a quoi comme activité ici? Il y a le rooftop, tu verras. Je suis en train de regarder d'ailleurs. Il y a le rooftop à l'étage, on ira tout à l'heure en fin de soirée. Pour le moment, je vais un peu éteindre la lumière. Et ici, c'est la chambre. Et oh là là, c'est faux. En fait, j'avais pris une chambre de luxe. Pourquoi ils nous ont mis une chambre classique? C'est pas grave. C'est vrai qu'il était peut-être mieux notre appartement, notre maison. J'avoue, mais... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, en tout cas, on a tous les services de l'hôtel. Ma chérie, installe-toi dans le canapé, on va être trop bien. Ah oui, bon, écoute, au moins on est tranquille et au moins on n'entend pas Mini Darkito faire la fête, là, parce que franchement, oh, qu'est-ce que j'avais mal à la tête. Allez, je m'assois ici, et on va faire quoi maintenant? Ah bah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, bah, on va aller sur le toit. D'ailleurs, c'est quoi cette musique? Non mais il y a une musique de fou à l'étage. Ma chérie, il faut qu'on aille voir ça. C'est quoi tout ça? Je comptais t'emmener à la piscine, j'ai privatisé le toit et... C'est bizarre, il y a du bruit là-haut. Bon, on va y aller. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a de la musique? Moi, j'ai demandé à rester au calme. J'ai dit au calme. J'ai pas dit un truc compliqué, j'ai juste dit je vais être tranquille avec ma chérie. Bon. Attends, je vais te dire un truc, Darkito. Oh non, j'aurais dû le dire avant. Pourquoi j'ai attendu? J'aurais pas dû faire ça, c'est pas... Oh, j'en ai marre. Mini Darkito! Je pensais pas que t'allais vraiment le faire, je sais pas, tu m'as dit t'allais venir, mais je savais pas que t'allais vraiment le faire. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je dois passer ma première nuit en couple, et lui, il est là. Ah non, là, je suis vraiment énervé. Bah, t'avais qu'à pas me laisser des vues, et moi, on va faire la fête sur le toit de l'hôtel. Et oui, j'ai emmené la musique, on va faire la fête comme des fous, parce que je fête aujourd'hui mon arrivée définitive sur Life Together. Adieu, Brookhaven. Oh là là, des idées comme ça, Mini Darkito, t'en as, mais des milliers. J'ai jamais dit que j'habiterais définitivement sur Life Together. J'ai juste acheté une maison ici, c'est pas pour y habiter définitivement. Tu sais très bien que j'adore Brookhaven, pas vrai, ma chérie? Ouais. Je sais pas trop, moi ce que je sais, c'est que j'ai envie de passer un moment avec mon amoureux toute seule. Et Mini Darkito, on fera la fête plus tard, attends. Oh, c'est quoi cette première nuit en couple? C'est un carnage. Bon, moi je vais un peu dans l'eau. Elle est gelée. Elle est vraiment super froide, Darkito! Elle est même pas chauffée, l'eau, c'est une blague! Oh non, mais c'est une catastrophe cet hôtel! J'ai dit piscine chauffante, ils m'ont dit oui, et on va goûter l'eau, on va voir. Ouh, c'est froid! Bah là, c'est n'importe quoi! Tu sais quoi, j'espère que je vais pouvoir jouer un peu le piano. S'il marche, il marche même pas. Oh là, y a rien qui marche dans cet hôtel. C'est quoi, Mini Darkito? Reste bien ici, moi je vais avec ma chérie. On va prendre un petit bain chaud dans notre maison, parce qu'on va retourner à notre maison, et on va terminer avec un petit bain chaud. Je pense que ça va être mieux. J'ai une idée, il y a Mini Darkito derrière, je te rappelle, maintenant il est... Oh non, il est parti. Bah, Darkito, pourquoi tu pars? Moi, je voulais que Mini Darkito nous fasse un petit live, tu vois. Parce que je te rappelle maintenant qu'il est dans le show business et tout, et que ça veut dire qu'il passe à la radio. Donc, j'ai trop envie de le voir faire... Quoi? C'est fermé? Je parle à un mur maintenant, enfin un ascenseur. J'ai envie de le voir faire de la musique. Bon, je fais quoi? C'est un peu la loose là, non? Bah, il s'est fermé tout seul, l'ascenseur. C'est une blague? Non, mais c'est pas grave, on l'entendra plus tard, allez. Là, c'est n'importe quoi, il a gâché ma nuit que j'avais prévue. Cet hôtel, il est vraiment nul. Ah oui, t'as bien raison, mon amoureux. Bon, ben, on va prendre la voiture et on rentre à la maison. Je suis sûre qu'on s'amusera bien plus là-bas. Attends, avant, j'ai une autre idée. La piscine était vraiment super froide. Mais ça t'irait de faire un petit bain de minuit? Ah ouais, carrément. Allez, c'est parti, le premier halo, c'est le plus... Ouais, je sais pas quoi. C'est parti, wouhou! Qu'il a pas trop compris, mais quand je disais un bain de minuit, je disais pas de sauter dans le port, hein. Je disais juste d'aller là sur la plage. Oh non, l'eau elle est trop polluée ici, je vais pas sauter ici. Oh non, moi j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Bon allez, je retourne dans ma voiture, j'espère que tout va bien se passer. Et on va à la piscine, à la plage. Oh oui, ça va être génial, c'est parti. Oh là, j'adore la plage. Le premier halo. Oui, j'arrive chérie. Oh là là, non mais je suis tellement heureuse de m'être remis avec toi. Franchement, t'as intérêt de plus jamais me faire du mal, d'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un, il est un peu bizarre, enfin si une fille, elle est un peu collante avec toi, il faut que tu me dises la vérité et dès le début. Faut pas que tu laisses traîner les choses. Bon, sinon, on est quand même bien ici, non? Ah ouais, bien sûr qu'on est super bien. Oh là là, j'arrive vraiment à nager et tout, j'adore, c'est vraiment trop bien ici. Bon bah c'est génial, en tout cas...
Oh non, c'est quoi cette musique encore? Non mais il nous laissera vraiment jamais tranquille, c'est pas possible. En plus il arrive, mais genre tu vois pas, fait genre tu le vois pas, s'il te plaît Darkito. Y'a personne derrière toi, ça va aller. Oh non, il est en train de venir. Oh non, 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 non. Mais Darkito, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Promis, on fait ta soirée demain. Darkito, tu me l'avais promis. Aujourd'hui, on va se faire notre premier restaurant en couple sur Life Together. Oh là là, j'ai tellement rêvé ce moment-là. Je pense qu'on devrait choisir un super bon restaurant. T'as fait une réservation? Oui, j'ai réservé, mais avant, faut d'abord se changer, tu crois pas, on s'habille bien. Ah bah si, mais attends, Darkito, on s'habille bien, ok, mais ça veut dire qu'on va dans un restaurant gastronomique? Oui, j'ai tout réservé. Vite, faut faire vite, parce que la personne elle est déjà là, presque. Bon, ok, attends, j'arrive. Bon, il faut absolument que je me trouve une belle tenue. J'espère qu'elle sera parfaite pour ce restaurant. Et je sais pas si vous avez testé les restaurants sur Life Together, mais j'espère qu'on va super bien manger. Allez, go chercher une tenue. Et si je me maquille aussi un petit peu? Allez, hop là, c'est bon, je me suis mis dans une super belle robe. Mais attendez les amis, d'abord, je vais envoyer un snap à Mini Darkito. Et je vais l'appeler pour lui demander son avis, du coup, hop là, on envoie à Mini Darkito. Hop là, on envoie Mini Darkito, et tac. Quoi? Quoi? Mais pourquoi tu t'écris comme ça? T'aimes? Mais, c'est une blague? Est-ce que je serais pas bannie de snap? Non, quand même pas. Bon, je vais juste envoyer la photo, et je vais l'appeler après pour lui demander son avis. Allez, hop là, on send. Et voilà, c'est envoyé, et je l'appelle maintenant. Mini Darkito, il est pas dans le serveur? Mais comment je fais? Oh non. Ben moi je veux l'appeler Mini Darkito. Mais comment je sais si c'est la bonne robe? Bon les amis, c'est pas grave, je vais voir Darkito. Oh non, j'aurais trop voulu lui parler. Oh, il y a Darkito qui m'a envoyé un snap. Qu'est-ce qu'il a pu bien m'envoyer? Sa tenue? Oh mais c'était trop bizarre, il y avait une espèce de bug là, on aurait dit qu'il était pas du tout habillé comme ça. En tout cas, moi j'adore sa chemise et je pense qu'on ira super bien ensemble. Oh mon amoureux, t'es vraiment trop beau. Tu fais super classe et chic. Je pense que t'es habillé parfaitement bien pour aller dans le restaurant où on va aller. Enfin d'ailleurs, on va où? Waouh. Mais t'es magnifique. Oh, j'adore ta robe. Je fonds, oh là là. Oh, j'en tombe par terre. Darkito, t'en fais vraiment trop là. Lève-toi, c'est trop. Tu sais très bien que je t'ai dit que tu me faisais pas assez de compliments, mais là, vraiment, ça se voit que c'est du théâtre. Non, du tout. Je suis tombé amoureux de toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regarde, hop là, je suis vraiment super fort, super musclé. Ma chemise me va comme un gant. Wouhou, ouais, et c'est bon, on peut y aller? Oui, c'est bon, mais Darkito, t'es sûr que tu vas bien? Je sais pas, t'es un peu bizarre aujourd'hui. T'es un peu, disons, un peu surfait, tu vois, pas très naturel. Quoi? Bah, pourquoi il y a un klaxon? Quoi? Mais, Darkito, mais c'est qui nous appelle comme ça? C'est un fan? Eh oh, on n'est pas dispo, là! On n'est pas en train de tourner! C'est qui? Et arrêtez de klaxonner, maintenant! Oh, c'est une limousine! Une limousine, une vraie de chez vraie! Bonjour! C'est pour nous, c'est ça? Ouais, c'est ça! Oh là 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 là! Ah là là, je vais carrément... m'évanouir tellement elle est ravissante. Ah ouais, on est bien dans cette limousine. Oh, voilà, je suis sûr que tu te demandes où on va. Bah déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va au restaurant. Mais la question, c'est dans quel restaurant? Moi, j'ai pas eu le temps de trop tester les trucs, tu vois. Ces derniers jours, et quand j'étais célibataire, j'allais... Bah ça va, Darkito? Pardon, j'ai éternué. Ok, donc t'es vraiment bizarre, tu serais pas un peu malade par hasard? Bon, comme je le disais, quand j'étais célibataire, en fait, je suis allée juste au café. Et après le café, je suis allée aussi à la boulangerie. Mais je crois pas vraiment que je suis allée au restaurant. Parce que j'ai vu que des fast-food ici. Enfin, je connais pas très bien, tu vois. Oh, le coucher de soleil! Il est trop beau! Darkito, regarde! Il est magnifique! Oh là là, on a vraiment de la chance d'habiter ici. Dis-moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que t'as l'intention de retourner sur Brookhaven, toi? Quelle question quand même! Mais quelle question, voyons! Bah oui, j'y suis toujours. Tout à l'heure, j'étais sur Brookhaven. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour avec des props. Franchement, j'ai adoré. Donc, non, je fais des allers-retours. Brookhaven, Life Together en ce moment. Pas trop toi? Oula, il conduit bizarrement, lui. Vous pouvez un peu me conduire, s'il vous plaît, madame? Bah attends, moi, je vais rester ici sur Life Together. Je vais pas vraiment sur Brookhaven. Je trouve que c'est tellement beau ici, en plus de ça. Oh, on a une tellement jolie maison. Bon, Darkito, le trajet est vraiment super long. Dis-moi, on va où là? On rentre sur Brookhaven ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe? On est où là? Attends, je connais pas. Bah, c'est quoi? Une station essence? On va au burger?
Eh oui, bienvenue au restaurant burger. Et que ça saute, on sort de la limousine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous avez pris une limousine pour aller à un restaurant burger. Vous êtes vraiment trop bizarre. En fait, non, c'était une blague. Ah ah ah. C'était pour mettre de l'essence. Et oui, je vous ai bien eu. C'était drôle, non? Non, pas trop, non. Bon, bah, du coup, je sais pas tout où est-ce qu'on va. Darkito, pourquoi tu me parles pas? Bah, parce que c'était bizarre sa blague. Mais je crois qu'on est bientôt arrivé. Oh là là, le restaurant. Oh, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bah attends, j'espère bien. 10 minutes pour arriver au restaurant, il a intérêt d'être vraiment top. Pourquoi elle sort encore, elle? On est arrivé, c'est bon? Bah, on va là, mais... Attends, Darkito, n'était pas déjà allé une fois ici? Genre du style pour une espèce de demande en mariage qui s'est jamais faite? Oh non, je crois que c'est ici qu'on s'est quitté. Oh, je crois que c'était là qui... Non, je crois que c'était ici. Qu'est-ce qu'il a fait, mais... Darkito, pourquoi t'as voulu revenir ici? Mais ça va pas, ça ne va nous rappeler des mauvais souvenirs. Moi, je pensais que c'était un vrai restaurant du style gastronomique, pas une petite brasserie comme ça, ici, là. Je sais pas, moi. Pourquoi je me suis mis en robe comme ça? Mais c'est pas ici du tout. Pourquoi on va ici? Allez, venez, c'est n'importe quoi. Et puis la serveuse, qu'est-ce qu'elle fait là encore? Bon, en fait, c'est pas la serveuse, ça. Bah si, en fait, c'est peut-être la serveuse. La porte? Eh oh, eh, la porte. La porte, mais qu'est-ce qui se passe? Darkito? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah attends, je vais essayer, moi. Hop là. Oh, bah c'est ouvert. C'est drôle, non? Hop là, on l'attend pas. Parce que je sens qu'il n'y a pas de restaurant. Ah, mais en fait, il y a un rooftop, mais j'espère que c'est un restaurant. Oh, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, j'adore. Allez, la porte. Oh non. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Mais mon restaurant. Oh, super, madame. Est-ce que vous pouvez... Comment vous avez fait? Eh oh, et moi, je peux passer? Oh non. Vous pouvez m'ouvrir au moins, s'il vous plaît? Eh, revenez! Oh non. Faut que j'escalade. Il va falloir que j'escalade. Comment je peux faire? Mais attendez, c'est vraiment bizarre. Il est super long à arriver, Darkito. Et si je faisais un petit peu de... De chant, peut-être? Non, je sais peut-être... je vais m'asseoir, du coup, bah ici. Je vais essayer de commander un truc parce que j'ai trop soif. Ça fait au moins 10 minutes que je l'attends. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est si long. Peut-être qu'il me prépare une surprise. Une vue sur la mer, c'est beaucoup mieux. Allez, hop là, moi je me la... Non, ici plutôt. Allez, je vais installer. Oh, ben moi, je l'attends pas pour manger, il est vraiment trop long. C'est bizarre, madame, vous auriez pas des nouvelles de Darkito? Parce que là, il m'a vraiment fait un faux plan. Je sais pas pourquoi on est arrivé ici et je suis toute seule. Ah bah, je crois qu'il est coincé à la porte. En fait, il a réservé le restaurant, mais je crois qu'il a mis qu'à votre nom et du coup, il arrive pas du tout à rentrer. Allez, je vais rater mon... Oh là là, j'ai une idée. Ah, je suis en train de tout essayer, peut-être avec une voiture. Oh non, mais c'est n'importe quoi, ce restaurant. Franchement, moi, j'ai pas signé pour ça. Allez, on va essayer avec une petite voiturette. C'est parti. Allez, s'il te plaît. Oh non. Oh non, ça fait vraiment une demi-heure que j'attends. Je peux pas attendre plus. Bon, je vais aller le voir. C'est un carnage, ce restaurant. On devait passer un petit moment en couple et tout. Et je me ressens... On devait passer un petit moment en couple et je suis toute seule, finalement. Darkito, mais qu'est-ce que tu fais derrière la porte? Mais avance. Mais tu vois pas que... C'est trop bizarre, j'arrive vraiment pas à passer. Bon, tu sais quoi, je te rejoins et on va monter dans la petite voiture là. Et tu sais quoi, ben t'inquiète pas, c'est pas grave. Même si on est habillé comme ça, on va aller manger au burger. Bah ouais, ça veut vraiment pas. Pourquoi il y a des bugs comme ça? C'est vraiment bizarre. T'inquiète, c'est moi qui conduis. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit truc à roulette là? Bon, allez, c'est bon. Et hop là, wouh. Et c'est bon, on est arrivé du coup au burger. Oh, j'avais super faim les amis, je pouvais pas attendre là. Un burger au moins, c'est une valeur sûre, non? Ah ouais, c'est vrai. Oh là là, mais c'était vraiment nappe. Bah alors là, je comprends plus rien. Bon, les amis, n'hésitez pas à regarder notre vidéo. Moi, j'arrête sa vidéo comme ça. Mais c'est une blague, Darkito? Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Dis-le si tu veux pas être avec moi. Et, ben, t'es passé où? Mais Darkito, y a un bug? Y a un gros bug, non? Y a un problème. Est-ce que ce serait des secrets par hasard? Bah on m'appelle, je suis un peu déprimée aujourd'hui, je vous avoue. Je sais pas pourquoi, je me sens pas très bien. Oui, allô, mini Darkito, bah, pourquoi tu m'appelles? Tout va bien? Tout va bien, tout va bene, tout va super. Je voulais te dire que aujourd'hui j'ai une surprise pour vous verrez tout à l'heure. Allez, bisous. Tous, bisous. Une surprise, il m'a dit? C'est vraiment bizarre. Parce que souvent, les surprises de mini Darkito, elles sont, comment dire, un peu spéciales. Tu penses qu'il a quoi comme surprise pour nous? En tout cas, s'il a une surprise pour nous, moi, j'ai une surprise pour toi. Allez, viens avec moi, ma chérie, je vais te montrer la grande surprise. Oh là là, c'est génial, franchement. Cette voisine qui s'est installée à côté de chez nous, vous savez quoi? Elle est incroyable. Tu m'as parlé d'une voisine qui vient de s'installer? Mais comment ça, elle est incroyable? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles d'une autre fille?
Mais non, je parle de son entreprise. Elle est incroyable, son entreprise. C'est une entreprise de bien-être et de santé. Allez, viens avec moi, on va faire un petit spa avec... pas avec la voisine, mais avec toi. N'importe quoi. Oh là là, elle va croire que c'est ambigu et tout. Elle va penser que la voisine, du coup... voilà, n'importe quoi. Bonjour, madame. Du coup, j'ai réservé pour 19h. Bah, pour 19h, j'ai un contre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à 19h? En plus, je la connais pas du tout. Bonjour, madame. Vous êtes qui, en fait? Alors, enchantée, moi je suis Pauline et en fait j'ai ouvert un endroit pour les couples et en fait c'est un spa super particulier, vous allez voir. Il est juste incroyable, on se croirait presque chez soi. En tout cas, j'espère que vous avez prévu votre maillot de bain et des serviettes parce que moi je vous attends pas. On va passer une soirée extraordinaire, allez viens avec moi. Oh là là, mais c'est par où du coup madame? Faut sortir par où pour aller au spa? C'est dehors? Oh bah ça doit être dehors, attendez je vais ouvrir la porte, ça doit être par ici. Waouh, wow, j'adore cet endroit, oh là là c'est super bien-être en fait ici. Oh là là, j'espère que ça va être beau. En tout cas Darkito il m'attend même pas et j'ai rien compris en fait, j'espère qu'il y a personne. Bon apparemment il y a personne. Oh c'est trop bien, on va être tous les deux. T'imagines ce qui serait vraiment trop bien? Ce serait aussi qu'elle nous amène à manger ici. Tu sais t'imagines un bon plateau au bord de la piscine. Eh bien justement, je suis à votre service tout le long de votre séjour. Sachez qu'on peut vous emmener à boire, à manger, ou même avoir quelques petits suppléments, massage, je sais pas moi, des petites bulles. Enfin, ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'appeler. Oh mais c'est trop bien. Viens ma chérie, on va se mettre en maillot de bain. Je crois qu'elle m'avait expliqué qu'il fallait aller à la deuxième porte en bas. C'est par ici je crois pour se changer. Hop là, je vais me changer, je vais me mettre en maillot de bain. Bon c'est bon, du coup c'est bon, moi je suis prêt. Ma chérie, est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es prête? Attends, j'enlève mes chaussures quand même. Oh là là, c'est trop bien. Et voilà, moi je suis prête. Oh là là. Oh ben on a sorti, c'est drôle, t'as mis un maillot de bain rose et moi aussi. Oh ça c'est parce qu'on est vraiment un couple en or, enfin un couple parfait, tu vois. Allez, moi j'ai trop hâte d'aller dans la piscine, voir si elle est vraiment super chaude ou pas. Oh j'espère qu'elle est chaude l'eau. Hé Darkito, plonge avec moi. Oh non, c'est les escaliers. Waouh! Non mais, elle est gelée celle-ci! Oh mince, je crois que je suis dans le bain froid. Il faut peut-être que j'aille de l'autre côté. Bon, je vais voir. Allez hop là, on nage! Je pense que c'est celui-ci. Oh, c'est super chaud! Hé Darkito, te trompe pas de bain, l'autre il est froid. Ouais, attends, j'arrive. Madame, vous allez pas quand même nous regarder tout le long quand même. Attends, il faut vite fait activer quand même. Regarde, je vais activer un truc juste là. Je vais activer le bain rose. Oh là là, c'est trop cool! Oui! Je crois qu'elle est partie nous préparer à manger. Oh, ce serait trop bien. Et d'ailleurs, Mini Darkito, il t'a appelé, il t'a dit qu'il avait une surprise pour nous. Tu crois que ça pourrait être quoi, selon toi? Tu penses que ça a un truc à voir avec le spa que j'ai réservé? Tu penses que d'un coup, il pourrait apparaître et en mode hey, « Eh, salut, c'est moi, c'est Mini Darkito !» Enfin, ce serait impossible qu'il fasse ça. Enfin, moi, je vois pas à quel moment il pourrait venir nous dire « Ouais, salut les mecs !» Ah ouais, t'as raison, attends, ce serait vraiment n'importe quoi. Et puis de toute façon, mais Darkito, tu sais, à chaque fois, dès qu'il vient, c'est toujours pour faire des bêtises et tout. Enfin, moi, je l'adore, tu vois. Mais s'il pourrait venir avec des petits cocktails ou un truc dans le genre, ce serait plus sympathique. Ou sinon, peut-être que il devrait être laissé en couple, tranquille. J'espère que sa surprise, en tout cas, c'est genre un feu d'artifice ou, tu sais, une journée en yacht ou, tu sais, vraiment un truc de dingue, genre une nuit dans un château. Oh, ce serait trop ouf. Je crois qu'on a un petit souci, là. Mais, ok, bon. Viens, on fait un câlin, comme si de rien n'était. Hop là. Ben quoi, Darkito, il y a la fille derrière nous, c'est ça? Elle est encore là? Oh là là, j'en peux plus, cette potiche, elle est tout le temps collée à notre derrière, là. Elle pourrait pas partir un petit peu? Oh, j'y crois pas, elle a sauté en plus. Eh, mais Darkito, c'est drôle parce qu'on parlait de toi à l'instant. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je viens faire la fête avec vous. Enfin, c'était prévu comme ça. En fait, si tu veux, moi, j'ai réservé le spa un couple pour deux, mais je me suis dit qu'en fait, on pouvait faire un couple. Tu vois, ce serait pas trop bien qu'on soit en couple. Je croyais, moi, que t'aimais trop, je sais pas, moi, draguer des filles et tout. Un troupe, c'est un couple de trois personnes, c'est un peu bizarre. Moi, je sais pas, mais moi, j'ai pas trop envie de partager Darkito, hein. T'as qu'à trouver un autre troupe si tu veux faire ça. Mais Darkito, je suis sûre qu'il y a deux filles qui voudraient trop être avec toi. Oui, moi, je vais être avec Mini Darkito. Oh, viens là, qu'on s'embrasse un peu. Ah oui, porte-moi. Allez, porte-moi, Mini Darkito. Ça devient un peu trop bizarre là. Enfin, son histoire de trouble et d'un coup la fille elle se ramène. Vous voulez pas qu'on vous laisse un peu tranquille? Genre du style, vous savez, il y a un petit bain là à côté. Il est pas mal aussi, vous pouvez y aller si vous voulez. Je vous dis pas qu'il est froid, hein. Non, c'est vraiment de plus en plus bizarre là. Regarde, ils sont en train de se rapprocher, en train de se faire des câlins. Moi, je suis pas trop pour partager la même eau, tu vois, Mini Darkito. Et. Oh non, elle s'appelle comment elle? Je m'appelle Pauline, je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Oh, Mini Darkito, tellement beau. Et puis j'ai même vu un vrai sandwich comme ça qui se mange pas. On peut te manger ou pas?
Alors ouais, tu peux manger, mais juste, faut éviter le fromage, le pain, la salade et les tomates. Genre, tu peux pas manger, quoi, en fait. Genre, sinon, t'as qu'à prendre un sandwich dans le frigo, là. C'est n'importe quoi. Bon, allez, viens, on va se poser, là, dans notre piscine, tous les deux. Et c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il a? Tu penses qu'il a... qu'il va congeler, non? Oh non, le pauvre. Oh non, il arrive à nager là-dedans. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ah oui, c'est vrai que l'eau, elle est froide. Oh là, c'est trop nul, je t'avais prévenu. Enfin non, je l'avais pas prévenu, mais... Oh, c'était obligé que ça allait arriver. Allez, moi, je vais un petit peu bronzer, même si je vous avouerai que je risque pas trop de bronzer avec... Oh là, c'est n'importe quoi. Et dis-moi, Pauline, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette maison? Est-ce que genre c'est juste ici ou on peut aller autre part, par exemple? Eh ben, en fait, si vous voulez, vous pouvez aller dans les chambres, vous amuser. Et il y a aussi un home cinéma, en fait, et c'est génial pour regarder des séries et des films. Mais nous, avec mes Darkito, on réserve la chambre. Ok, bah c'est génial, c'est un home cinéma. Bon, bah, notre jour, non, c'est pas qu'il finit en cinéma. Viens, on va se regarder un film d'horreur ou un film... Non, je sais, mieux, un film romantique, ma chérie. Avec des gens qui se marient, par exemple, on pourrait regarder, je sais pas, moi, il y a une émission genre 8 mariages pour une lune de miel. On pourrait regarder cette émission-là à la télé. Ah ouais, t'as trop raison. Et puis en plus, moi j'ai regardé déjà l'épisode de hier et tout, du coup je trouve ça voir la suite. Allez, dépêche-toi, fais te voir regarder. Allez, je crois que c'est ici. Oh, j'ai trop hâte de voir la suite, les amis. On va aller au cinéma. C'est trop bizarre, moi, et de bain. Bon, je vais rester là. Kito, il est tellement super long tout le temps arrivé. Mais c'est un Oscar derrière moi. C'est une star, la Pauline, ou quoi? Bon, allez, tchuss. Oh là là, un home cinéma dans un appartement. Et en plus, il commence à faire jour, ils vont pouvoir vraiment bronzer. Oh là là, on a passé toute la nuit dans l'eau. Franchement, c'était trop trop bien. Et ma chérie, on va regarder 8 mariages pour une lune de miel. Oh, du popcorn. Oh, c'est trop bien. Oh là là, il y a même des Skittles et des Doritos. Miam, miam, miam. Oh là, c'est génial. On est un peu loin là, quand même, tous les deux. Attends, je vais me mettre plus près de toi. Ah ouais, non, mais t'imagines qu'il y a des endroits qui vendent des popcorn, genre au moins 6,50€. Ils sont complètement fous. Bon, allez, lance l'émission. Ah là, c'est trop bien cette émission. J'adore regarder cette émission, moi. Mini Darkito, ça fait longtemps que je t'attends. Tu comptes me faire un... Un striptease? Ben, t'es toujours habillée. Dis-moi, tu voulais pas aller dans la chambre plutôt? Parce que là, le canapé, c'est cool, tu vois, mais il est un peu dur, hein. Mais attends, mais je crois que je te reconnais. T'as pas joué dans, tu sais, la série Brooklyn Dead et dans la série aussi... C'est moi, d'ailleurs, j'ai un Oscar dans le home cinéma, tu veux le voir? Bah ouais, on va aller le voir. Mais attends, je crois que t'as aussi joué dans un film qui s'appelle... Mais t'as joué aussi dans la casa de Brookhaven, tu sais, avec le braquage et tout. Ah là, je te reconnais, c'est toi. On est vraiment bien tous les deux, tu sais. Moi, je pensais vraiment que... On est vraiment au meilleur endroit. Y a pas un autre endroit meilleur que celui-là. Je pense qu'il faut qu'on aille fermer la porte, que personne puisse nous déranger. Oh, arrête de parler, attends, je regarde l'émission. Oh, regarde, elle va dire oui. Oh, c'est tellement beau. Je sais pas, mais moi, je commence un peu à être jalouse quand même, parce que... Bah, j'attends toujours de me marier, mais dans ma vie, apparemment, ça risque jamais de se produire. T'as entendu le bruit, là? Oh non, la pauvre. Ça doit être dans la télévision. Ah, mais c'est Darkito, je t'ai trouvé, t'es caché ici. Et attends, petit filou, attends, faut que je m'occupe de toi, allez. Oh, regarde, les deux devant. Oh, bah nous, on va mieux s'éclater qu'eux, hein, ça a l'air ennuyant. Oh non, ils sont là, mais comment on va faire? On n'est jamais tranquille. J'aurai jamais la fin de l'émission. Oh là là, non, mais on a qu'à retourner chez nous, et au pire... Ah, mais j'ai envie de changer de maison. T'as pas envie de changer de maison et de lui racheter sa maison? Comme ça, on pourrait vivre ici et avoir un spa et avoir un home cinéma. Et je suis sûr qu'il y a d'autres pièces dans la chambre. Viens, on va dans une autre pièce parce que là, on est trop dérangés par eux. Attends, Darkito, tu viens de me donner une idée. Et si on emménageait ensemble dans une vraie maison qu'on achète ici sur Life Together? Oh, ce serait trop bien, non? Bah, on lui achète cette maison, tout simplement. Ou on a qu'à acheter notre maison, ouais, t'as sûrement raison. Ah oui, c'est une trop bonne idée. Bon, moi je propose pour l'instant, à la base on est venu pour un spa, donc de sauter dans la piscine. Allez, le dernier arrivé, et eh ben il aura un gage. Allez, Darkito, je vais gagner. Allez, ploufouille. Allez, j'arrive. Oh non. je vais gagner. Oh mais non, elle est déjà dans l'eau. Mais comment elle a fait? Elle a couru super vite. Et... plouf. D'ailleurs, t'as reconnu, c'est l'actrice la plus connue de Brookhaven. Qui est avec Mini Darkito, c'est-à-dire que Mini Darkito, bah, il a pécho une star. Oh non, il a pécho une star. Ah bah oui, il va devenir vraiment super connu, Mini Darkito. T'imagines, il va être super riche, il va habiter dans cette maison avec cette star et tout. Oh, en plus, je l'ai reconnue. C'était, tu sais, la fille là qui s'appelle Cuba ou un truc dans le genre. En tout cas, elle est trop connue, elle est vraiment trop belle. Bon, moi, je pense qu'on devrait acheter une maison aussi, genre demain.
Ouais, bon, en tout cas, franchement, t'as des idées incroyables. Mais moi, je suis vraiment pour acheter une maison dans ce genre-là, tu sais, une maison super grave moderne. Un truc genre, vraiment, regarde, c'est trop moderne, c'est trop beau, j'adore, on se sent comme à la maison. Ah ben non, on se sent plutôt comme à l'hôtel ici. Moi, je pense qu'on devrait plutôt demander aux abonnés. Du style qu'ils nous disent la maison qu'ils ont envie, qu'on ait quoi. Bon, les amis, dites-moi en commentaire la maison que vous voulez qu'on achète. Oh non, c'est le mec totalement fou là qui m'a demandé en mariage. Faut rappeler de lui, il s'est battu avec Darkito et tout. Et il a un truc bizarre sur les yeux, c'est quoi ce machin? Vraiment étrange. Darkito, Darkito, tu sais qui c'est qui m'a envoyé un snap? Vous voulez pas que je te dise? Quoi? Toi aussi, t'as ce truc sur la tête? Mais c'est quoi? Eh oh, Darkito, tu me vois? Tu me vois ou pas? Mais bien sûr que je te vois, c'est juste que, attends, il y avait ma page, ma chaîne YouTube, là, tu es en train de gâcher ma vidéo YouTube, je suis en train de regarder ma vidéo YouTube dans mon nouveau casque de réalité, tu sais, le vision, là, l'espèce de truc de fou. Franchement, s'il te plaît, tu peux te pousser, là, genre vraiment? Ah, ok, je te dérange, apparemment. J'en peux plus. D'ici, y a tout le monde qui a ce casque. Et tu sais, j'ai un truc à dire, Darkito. Tu sais, le mec, là, la dernière fois avec qui tu t'es battu, eh bien, il m'a envoyé des snaps. Ça aussi, ça t'intéresse pas? Non, t'inquiète pas, c'est bon, je lui ai remonté les bretelles et normalement, il y a aucun souci. Bon, du coup, on va en boîte de nuit, c'est bon? Est-ce que t'es prête? On peut y aller? T'es prête pour aller en boîte de nuit, là? Ah, donc en fait, c'est pas pour dire, mais ça te fait rien du tout. Tu sais, pour toi, il a marqué des petits cœurs, enfin, il a mis des petits cœurs et tout. T'es sûr qu'il y a vraiment rien? Bon, je pense que c'est ce casque qui te rend un peu stupide. Tu sais quoi, Darkito? Moi, j'aime préparer en bombe. Toi, reste avec son truc sur la tête. Tiens, n'importe quoi. Je crois que j'aime pas trop la technologie, en fait, ça rend un peu les gens bêtes. Vous en pensez quoi? On dirait, comme ça, ils sont tous avec leur truc sur la tête, ils marchent. On dirait qu'ils vont nous rentrer dedans et en fait, je sais pas. Ouais, c'est trop bizarre. J'ai reçu un snap de Mini Darkito? Vraiment? Quoi? Lui aussi, il a un casque! Mais c'est quoi ce casque? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout ça et pourquoi moi j'en ai pas un? Qu'est-ce que j'ai loupé, les amis? C'est bon? Je suis plus à la mode? Je suis plus tendance? Allez, c'est bon, je me suis habillée en bombe. Et je pense que là, c'est bon, ils vont tous lâcher leur petit casque pour tous me regarder. Eh oh, Darkito, j'ai mis une jolie robe pour toi. Tu la regardes? Bah, tu sais qu'avec ce casque, je te vois quand même. C'est juste qu'à côté de toi, bah, par exemple, hop là, j'ai ma chaîne YouTube. T'es magnifique, t'es ravissante, t'es super belle. Regarde, moi, j'ai mis ma petite chemise avec mon petit pantalon slim. Franchement, ça me va bien, non? Darkito, qui me dit que t'es pas sur Insta en train de mater une autre fille, là? Mais non, je te promets qu'il y a rien dans mon écran, vraiment, je te promets. Attends, faut que je ferme une application. Alors, tac, tac, on ferme cette appli, boum, voilà, c'est bon. T'es vraiment obligé de faire tout ce cirque pour fermer une application? C'était pas mieux en téléphone, finalement. Bon, franchement, je comprends pas cette tendance, Darkito. Mais on dirait que t'es complètement devenu, fou. Mais vraiment, très fou. Même un peu stupide. Mais tu sais quoi, c'est pas grave, moi je suis une bombe, alors je la prends de nuit. Et si tu veux pas venir avec moi, tant pis, y'a quelqu'un d'autre qui est intéressé par moi. Oh, j'en peux plus, c'est quoi cette mode? Vous la connaissez, cette mode? C'est quoi cette voiture? Eh oh! Au lieu d'avoir ton casque sur la tête, viens enlever ta voiture! Eh, hey, mais attends, t'inquiète, c'est bon. J'ai acheté une nouvelle voiture, t'as pas vu, regarde, franchement, elle est magnifique. Monte avec moi, on va en boîte de nuit de toute façon. Allez, c'est parti! Ah non, Darkito! Ah non, attends. Je monterai pas dans ta voiture si tu as ce casque sur la tête. Donc je reste ici. Enlève-le. Oh non. Mais non, t'inquiète, y'a aucun risque. Je vois absolument tout avec le casque. Alors faut juste pas faire attention. Mais franchement, je te promets que je vois vraiment tout. Normalement, la route elle est par ici. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire? On peut prendre ta voiture si tu veux enlever mon casque, d'accord. Bon, t'as gagné. Super, voilà. J'ai accidenté ma voiture à cause de ce foutu casque. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, bon bah t'en as plus qu'à prendre ta voiture. Hein. Ah bah tu vois, Darkito, je te l'avais dit. Et voilà, ça m'écoute jamais, alors qu'en fait, ce casque, il est super dangereux. Les gens, ils deviennent tous fous, on dirait qu'ils ne voient pas. Et en plus de ça, t'as accidenté la voiture. Oh là là, la technologie, ça n'a pas que du bon, hein, moi je te le dis. Moi, je pense qu'on aurait été bien à l'époque, tu sais, où il n'y avait plus le téléphone, où il n'y avait pas Internet non plus. Tu sais, cette époque-là. Et pas Snapchat aussi. Et c'est qui? Ah, t'as Mini Darkito. Hey, Mini Darkito. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu danses tout seul dans la rue comme ça? Bah, j'envoie des snaps avec mon nouveau casque. Franchement, c'est trop cool, regarde. J'envoie des snaps à plein de filles. Hop, comme ça. Ah non, Mini Darkito. Pas toi. S'il te plaît, pas toi. Oh, j'en peux plus, même Darkito utilise un casque. C'est pas possible. Mais pour les gens deviennent tous vraiment tarés. Oh là là, vivement qu'on arrive dans boîte de nuit et pourvu que tout le monde soit normal ici. J'en peux plus. C'est quoi ce monde rempli de casques? Et là, on se voit dans une boîte de nuit futuriste en plus de ça.
C'est une blague, il y a trop de couleurs ici. Je sais pas, je dois être un peu de mauvaise humeur, les amis. Ces casques, ils m'ont pourri ma journée. Hé, hey, mais attends-moi, Sifu va se faire draguer par un mec. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Attends-moi. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, regarde, ma chérie, regarde. Il n'y a pas de DJ. Est-ce que tu penses que je devrais devenir un DJ? À gauche et à droite et à gauche. Et non, Darkito, la musique, elle est trop bien. C'est qui? Oh, regarde, c'est notre... Oh, pas toi, t'as pas un casque, toi aussi. Darkito, c'est... Ah, tu te souviens de lui, en fait? C'est le mec avec qui tu t'es bagarré, là. Oh non, pas lui. Oh là là. Eh oh, tu peux lâcher ton Snapchat, ton casque, toutes ces technologies-là, parce que franchement, déjà que Snapchat, c'était vraiment une source d'embrouille, si en plus de ça, vous rajoutez un casque dans Roblox, là, franchement, bah moi, je vais râler, là. Franchement, j'ai fait un accident à cause de ça, donc tu devrais l'enlever tout de suite. Et si tu peux me répondre, s'il te plaît? Eh oh. Il est vraiment bizarre, ce mec. En plus, il me parle pas, il est dans ce monde-là. Pourquoi il me regarde comme ça? Mais ça les rend fou. Je suis sûr que ça les rend fou. Bon, tu sais quoi, je vais devenir DJ et je vais ambiancer la soirée. Est-ce que vous êtes prêts ce soir, la team Kito? Oui, Kito, on est tous prêts. Regarde en plus le monde sur la piste. Ah non, je suis toute seule. Bon, allez, dépêche-toi. Et tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, et tcha-tcha-tcha. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Eh oh, Darkito, c'est mon mec, hein. Tu peux laisser tranquille? Oh non, mais moi j'ai rien demandé, moi je veux juste mettre de la musique. Alors quel style de musique vous voulez? Un, deux, trois soleils, Darkito, je veux cette musique. Un tout petit, s'il te plaît, je suis ta plus grande fan. Et je te fais un bisou aussi, je t'aime trop. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Vraiment? Eh, hey, toi, là-bas, lâche mon mec, c'est le mien, donc les bisous, tu les gardes pour... T'sais, y'a un mec là à gauche, là, va le voir, je sais pas, drague-le. Laisse-le bien tranquille. Bah, y'a tout le monde qui vient ici, y'a Mini Darkito. Hé, hey, Mini Darkito, t'as pas lâché un peu ton casque là? Regarde qui c'est qui fait le DJ. Oh, magnifique mademoiselle. Tu sais, grâce à mon casque, je peux changer le visage des gens. Et là, tu sais qui je vois? Je vois une bombe, une petite blonde qui s'appelle Mini Miss devant mes yeux. Oh, t'es trop belle. Oh là là, ouais, les gens se sont devenus complètement fous. Et elle est où, ma fan? Depuis tout à l'heure, j'entends quelqu'un parler, mais je la vois même pas. Qui c'est qui est en train de parler? Je suis trop petit, tu me vois pas. Je vais faire le tour, c'est pas grave. T'inquiète pas, j'arrive, mon bel amoureux. Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bonjour madame, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je peux mixer tranquille, s'il te plaît? Je veux un autographe. Je veux un bisou. Fais-moi une vidéo, tu dis mon prénom, s'il te plaît. Je m'appelle Rihanna. Et ce soir, dédicace à Rihanna. Ouais. Alors non, moi c'est Brianna, je t'ai dit Brianna. Et ce soir, dédicace à Brianna. Mais c'est quoi, Darkito? En vrai, t'es vraiment trop bête, en fait. Tu sais même pas dire mon prénom. T'es stupide. Moi, je t'ai dit Brianna et tu dis Brianna. Non, 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 c'est vraiment bidon. Oh, ça a été trop beau. Ça t'a dit, en spécial? Hé, enlève ton casque. Hé, je suis une bombe, enlève ton casque. Bon, d'accord, t'es vraiment inintéressant. Et ouais, Darkito, on bouge le popotin. Tac, tac, tac. Ah oui, d'ailleurs, t'as dit quoi? Mini Miss. Ah, tu sais quoi? J'ai fait un rêve cette nuit, un rêve de fou. J'ai rêvé comme quoi vous remettiez ensemble. Ah, c'est pas n'importe quoi. Vraiment, j'ai cru que vous remettiez ensemble et qu'en fait, vous alliez revoir Victor et que vous alliez prendre une grande maison sur Brookhaven. Et franchement, t'en penses quoi? Tu l'as revu ou c'est moi, c'est mes rêves? Attends, est-ce que je voyais très mal avec mon casque? T'as dit? Qui vont me faire pleurer. N'importe quoi, les garçons, c'est un peu trop sensible de nos jours, hein. Ils devraient apprendre à prendre un peu sur eux. Et puis en plus de ça, moi je suis sûre que Darkito, il pourrait se remettre avec Mini Miss. Je sais pas, ils faisaient un trop beau couple ensemble. Ah, la musique de Darkito, elle est vraiment trop trop bien. Et Darkito, plus fort la musique, plus fort. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, derrière? Il est en train de nous taper avec une batte. Ils sont vraiment trop bizarres, eux deux. Vous savez quoi, les amis? Je suis sûre que... Oh non! Il est mort! Qu'est-ce qui se passe? Darkito, on a un problème! Il est mort! Je vais partir vraiment parce que je peux pas rester ici, c'est vraiment n'importe quoi! Oh non, il est mort! C'était le mec là qui m'a demandé en mariage et tout, et ben les amis, elle a tué! Et il fait déjà jour! Mais c'est quoi ce... Oh là là, c'est n'importe quoi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Oh non! Oh non, elle est devenue complètement... Oh non, faut appeler la police. C'est ma boîte de nuit, alors maintenant sortez, sinon tout le monde va mourir. Allez,
Oscar. Non, 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 mais Darkito, faut que tu te sauves. Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, retour à la réalité, franchement. Je pense qu'on est bien mieux dehors. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Ah non, je peux pas y croire, je peux pas y croire, je peux pas y croire. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mini Darkito? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la fille, tu vois, la fille qui a sorti la batte, en fait, elle a fait semblant de taper le mec, parce qu'en fait, il voulait se pécho, et il voulait faire des bêtises pour qu'on puisse les voir dans la boîte de nuit. Du coup, ils ont fait croire à un meurtre pour qu'ils aient la boîte de nuit à eux tout seuls. Et maintenant, bah, ils ont fermé la clé, et là, ils se sont pécho, quoi. Alors, franchement, des trucs bizarres, j'en ai vu, mais des trucs aussi bizarres, je crois que j'en ai jamais vu autant. C'était n'importe quoi aujourd'hui. Franchement, heureusement que le soleil s'est levé. Ça te dit, on termine la soirée chez nous, Mini Darkito, avec Miss Darkito? Oui, les garçons, c'est vraiment une super bonne idée. Allez, tous dans la voiture et direction la casa. Allez, viens avec nous, Mini Darkito. C'était n'importe quoi. Franchement, cette journée, je sais, enfin cette soirée, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bizarre. Voiture, Simon. C'est parti. Bon, moi, je pense que je suis un peu trop KO de cette soirée. Je sais pas vous, mais tous ces gens avec ces casques, eh ben, ça m'a un peu retourné le cerveau. Ça a presque donné envie d'en acheter un pour voir ce que vous ressentez tous, là, avec vos casques. Et, allez, hop là, on est arrivé. Et vous savez quoi, les amis? Finalement, j'ai plus trop envie de faire la fête, alors je vais dormir. Oh, ça fait du bien. Il est déjà 5h du matin, ma robe, elle est beaucoup trop grande. Trop fatiguée. Bon, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Oh, coucou, ma nouvelle copine virtuelle. Oh là là, tu viens, on dort ensemble. Franchement, j'ai attendu toute la soirée. Je me suis dit, bon, que ce serait une bonne idée. Mais qui c'est qui parle? Mini Darkito et Miss Darkito, qu'est-ce que vous faites dans la même chambre? Non, mais c'est quoi cette histoire? Miss Darkito et... tu parles à qui, Mini Darkito? Mais laisse-moi, j'étais avec ma copine virtuelle. J'allais faire des bêtises avec... Allez, reviens par là à ma copine virtuelle. Il dit n'importe quoi, Darkito. Franchement, t'es complètement réel. Ok, bon, moi je vais avec ma copine réelle parce que là, c'est n'importe quoi là, ce qui se passe. Oh là là, ma chérie, tu m'as manqué. Oh là, Mini Darkito, il a décidé d'avoir une copine virtuelle maintenant, t'imagines? Ah bah, de mieux en mieux. C'est vrai que toutes ces premières fois, elles se sont pas toujours passées comme j'ai imaginé. Mais qui sait? C'était peut-être mieux comme ça et au moins c'était un peu drôle. Bon... En tout cas, je suis super contente de m'être remis avec Darkito. Et j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à regarder d'autres vidéos.